Alors, du coup, dans cette vidéo, on va voir différents types de luttes. Donc, il faut savoir que les luttes, ils fonctionnent pas si bien sur certaines images. Donc, vraiment, tout va dépendre de comment tu as fait ton image à la base. Donc, vraiment, l'image brute, c'est pour ça que j'en parle assez souvent. C'est quand même assez important de pouvoir régler concrètement ton image brute. C'est très, très important. C'est comme ça que ton lutte fonctionnera. Et donc là, du coup, j'ai mis plusieurs images. Donc, j'ai fait une séquence avec plein d'images différentes, avec de la lumière différente. Donc là, on a de la lumière un peu grise et ensoleillée. Là, on a vraiment de la lumière ensoleillée. Et tu vas voir que les luttes ne fonctionneront pas tout le temps. Là, on a de la lumière grise. Là, on a de la lumière plus grise, mais en montagne. D'accord? Avec du drone. Et là, lumière un peu plus ensoleillée. Ici, dans un tunnel et en extérieur. OK? Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que. Ouais, là, il y en a encore une autre. Une grise et on va partir sur celle-là par exemple. Donc là concrètement on va appliquer plusieurs luttes, on va tester un petit peu. Donc on va aller dans, donc du coup on va aller dans ici effet. Alors moi je le fais sur After Effects, mais après vous pouvez le faire sur Premiere. C'est vraiment juste pour montrer histoire de quoi. Donc ici Red Giant LUT Buddy, ok. Donc j'ai fait en fait un calque d'effet et un autre où j'ai des courbes. Donc du coup là j'ai mis mes courbes ici en ayant correction et courbe. Et donc là, je vais pouvoir travailler un petit peu mes courbes. Donc plus contrasté. Voilà. Et donc déjà, avec ces courbes-là, on va voir si ça fonctionne sur tous. À peu près, on va dire. On va dire à peu près. Même si c'est pas la même image. D'accord. Tac. Et tac. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, on va peut-être décontraster parce que c'est peut-être un peu trop. Histoire de ne pas perdre trop le ciel quand même. Tac. Ok. Donc là, dans la lutte, on va aller sur options. Importer. Alors là, j'en ai vraiment pas mal. Et donc là, celui que j'avais sélectionné. Donc celui-là, tu peux le télécharger juste en dessous dans le lien. Donc je le donne. Donc on va tester celui-là. Alors là, on est vraiment sur du vert, c'est trop. Donc il va falloir le retravailler. Du coup, on le mettra en dessous, c'est bien. Donc tu vois, là c'est très vert. Là c'est marrant parce que c'est plus la même chose, on est sur du jaune. Là par contre, ça fonctionne bien. Bon, peut-être un peu trop contrasté, mais ça fonctionne bien. Donc tu vois vraiment, déjà le même lutte, il est. Alors là, c'est peut-être trop vert. Il est vraiment différent. Voilà, c'est trop vert aussi. Ici aussi, plus ou moins. Là aussi. Tu vois, donc vraiment. Là, il passe plus ou moins. Mais par contre, tu vois, il passe pas sur certaines autres images. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est trop saturé et un petit peu bizarre. Alors, on va mettre une opacité. Ok, on va rester sur ça. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en tester d'autres. On va tester celui qui est à côté. Tac. Alors celui-là, il est beaucoup plus doux. Celui-là, il fonctionne plutôt pas mal. Ça, j'aime bien ce genre de truc, un peu sobre. Là, tu vois, là, ça fonctionne bien aussi. Tac, tac, tac. Alors attends, on va le mettre un peu plus. 86, ok. Là aussi, ça fonctionne bien. Alors là, on voit, donc c'est un petit peu bleuté. Et là, les montagnes, quand on fait ça, ça devient un peu plus vert. Donc c'est pas mal. Ok. Là aussi. Voilà, ce qui est intéressant. C'est quand même de rassombrir ici. Et donc encore une fois, si tu fais. Alors là, regarde. Tac, le sol. Voilà, le sol direct, la diff. Ok. Donc celui-là, vraiment, il fonctionne bien, tu vois. Pareil, là, ici aussi. Tac, tac. Il y a quand même une bonne différence, parce qu'on a un peu plus de contraste en arrière-plan sur le capot. Et ensuite, la voiture, elle est beaucoup plus vert. Donc celui-là, il est intéressant. Là, il fonctionne bien aussi.
fonctionne bien. Donc, tu vois, là, on est sur une lumière un peu plus face. Bon, là, le soleil était vert ici, mais c'est quand même la fa face. Et là, je trouve que ça fonctionne assez bien, quoi. Donc, tu vois, il y a quand même une petite différence, mais ça va jouer un peu plus sur la colorisation, tu vois. Mais sinon, ma base est déjà très bonne. Alors, tu vois, regarde. Si on zoome un peu. Ici. Donc là, regarde, tac. Tu vois, il y a un peu plus de brillance. Voilà. Donc là, c'est vraiment très beau, tu vois. Et là, pareil aussi, ça ressort assez bien, je trouve. Et tu vois, pourtant, on n'est pas du tout sur la même, sur les mêmes images, hein. Donc ça veut dire que déjà, tu vois, comme j'expliquais, mes réglages sont vraiment... Ils se ressemblent assez, que ça passe du côté sombre au côté lumineux. Ça matche bien, tu vois. Sans trop toucher à quoi que ce soit, ça matche bien. Là aussi, ça aurait pu matcher, tu vois. Tac. Là, c'est un peu plus clair, par contre. Faut réétalonner un peu entre les deux. Là aussi, c'est cool. Là aussi, hein, tu vois, là, on est quand même sur un truc beaucoup plus sombre. Là aussi. Et là. Alors, on va tester, du coup, un autre. Alors là, tac. Alors là, tu vois, là c'est on dirait du vlog, tu vois, directement le vlog. Donc là c'est vraiment dégueulasse, c'est gris, c'est horrible. Donc là on dirait quand tu filmes en vlog avec un boîtier. Ça c'est pas mal, ça ressemble un peu à l'autre, c'est pas mal aussi. Alors là pour le coup ça change carrément la couleur puisque la voiture elle est devenue plus orangée quoi. Ouais tu vois, on est quand même sur quelque chose de plus clair. Et là par contre pour le coup ça remontait les contrastes. J'aime pas trop ça. Pas terrible. J'aime pas ce genre de lutte. On va revenir sur la base de la voiture. Allez, on met au hasard. Alors, j'aime pas du tout ça. Alors ça, c'est horrible. Ok. Alors ça, je crois que c'est violet, il me semble. Ouais. C'est bleuté, quoi. Alors là, on est sur autre chose. Là, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Un peu plus froid, c'est un peu plus froid quand même comme lumière. Là aussi, tu vois, c'est vachement plus froid, on dirait une lumière du matin par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est bien, mais je préfère un petit peu plus chaud quand même. Selon moi, il y a trop de violet. Tu vois, trop bleu là, trop bleu. Là, pareil, on dirait le matin. Celle-là, j'aurais pu la renommer lumière du matin, quoi, le lutte. Ça c'est pas dégueu. Alors ça dépend. Non, là ça va pas fonctionner du tout. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. On dirait un sépia bizarre un peu. Bon, selon moi, la meilleure reste celle-là. Hein. Elle est sobre. Donc la M31 là, c'est pour moi c'est celle qui fonctionne vraiment le mieux. Je l'ai souvent utilisée d'ailleurs. Là, on est sur du temps gris. Là, on est sur du soleil. Et franchement, ça glisse largement. Là, ça glisse bien. Ici, ça glisse bien aussi. Là, ici aussi. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment celle qui... Voilà, là, ça fonctionne bien. Ça matche vraiment, vraiment bien. Donc, du coup, tu vois que c'est vraiment une histoire aussi de réglage de base. Donc, il faut vraiment avoir des images brutes. Si là, tu as un plan...
qui n'a pas été maîtrisé avant, ça ne fonctionnera pas pareil. Ici aussi, ça fonctionne bien. Alors, on va essayer de mettre un petit peu de netteté, d'accentuation. Alors, tac. Tu vois, beaucoup plus de détails dans l'image. Donc pareil, encore une fois, il faut que ta base soit vraiment très très bonne. Toujours pareil, très important. Et là, vraiment, ça fait la diff. Et un petit peu de netteté aussi. Voilà, pas trop parce qu'après tu vas détériorer l'image. Voilà, clac, clac. Ok. Voilà, parfait. Ici, ça fonctionne bien. Tu vois bien que ça fonctionne bien un peu de partout. Alors après, évidemment, il faut rééquilibrer un peu, mais en gros, c'est pour... Alors là, non, pas bon. L'herbe, en général, ça fonctionne mal sur l'herbe quand même. Il faudrait y aller plus mollo quand même sur l'accentuation. Faut vraiment faire attention à l'herbe. Voilà, c'est peut-être trop. Pour moi, c'est trop, je trouve. Si on enlève. Donc voilà, donc c'était un petit test rapide. Donc tu vois que tous les luths ne fonctionnent pas sur toutes les images. Choisis bien ton luth, donc c'est très important. Et surtout, donc il faut quand même que tu aies vraiment une très très bonne base au départ. C'est très important pour pouvoir, pour que ton luth puisse bien fonctionner. Donc tu peux toujours suivre les autres vidéos juste en dessous. Et donc je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.